d'excellents souvenirs, d'abord parce que j'étais beaucoup plus jeune que maintenant. J'étais étudiant à l'IESSEC, donc c'était un moment de bonheur. Et nous avons donc débuté l'activité de cette junior entreprise en 1976. C'était tout à fait embryonnaire. Nous faisions quelques enquêtes essentiellement de terrain, des enquêtes pour connaître l'opinion des uns et des autres sur ceci, cela. Je n'ai pas des souvenirs très très précis. Ce n'était pas très pointu, mais c'était quelque part une création d'entreprise et c'était passionnant. Alors une junior entreprise dans une école, et une école de commerce en particulier, c'est très important parce que c'est l'occasion de démontrer aux entreprises et à ceux qui y travaillent que les élèves formés à l'IESSEC comprennent leurs problématiques, sont en mesure d'élaborer des réponses adaptées et d'apporter des solutions tout à fait opérationnelles. Et c'est ce qu'attendent les entreprises des jeunes. Et donc c'est un excellent moyen pour démontrer que l'IESSEC a une très bonne formation. Une junior entreprise est très formatrice pour les étudiants qui évidemment vont l'animer parce que quelque part ils sont entrepreneurs, il faut gérer une entreprise, il faut avoir des objectifs, il faut définir les politiques et les mettre en œuvre, il faut avoir l'esprit commercial pour pouvoir démarcher des contrats auprès des entreprises, il faut savoir gérer des personnes, c'est-à-dire les autres étudiants, savoir gérer des comptes. Bref, on trouve tous les ingrédients du monde de l'entreprise. Donc c'est une vraie expérience qu'on peut valoriser évidemment sur un CV. Pour les étudiants qui participent aux études, cela apporte deux choses. D'une part, une formation complémentaire de terrain. Donc ils expérimentent en réel ce qu'ils ont appris dans les cours. Et c'est accessoirement aussi le moyen de gagner quelques revenus complémentaires. Donc ça peut être très utile.